C'est l'histoire d'une princesse qui vit dans un immense château. Elle a 16 ans, elle a de longs cheveux blonds, des yeux bleus comme l'océan. Elle porte une belle robe. Sa peau est douce comme la fourrure d'un lapin. Autour de son cou, elle porte un médaillon. Et à ses oreilles, de jolies boucles scintillantes. Elle s'appelle Isabella. Comme je m'ennuie dans ce sinistre demeure. Comme j'aimerais sortir de ce château et rencontrer l'âme sœur et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Elle se promène dans son château en jouant de la flûte avec. La flûte est ensorcelée par une sorcière jalouse de la beauté de la princesse. Elle a un bec comme un oiseau qui chanterait faux. C'est un instrument en bois dur, un instrument mais de torture. La flûte, elle produit un son insoutenable, rend le violon très agréable. Elle peut pousser un cri gris qui se rapproche du cri qui tue. Elle peut provoquer de l'urticaire ou déclencher des crises de mort. J'ai vu des gens courir à la cave, d'autres se rouler dans leur bain à cause de la bec. Un jour, lors de sa promenade, elle voit un fantôme apparaître. Le fantôme lui raconte son passé. Je me nomme Alain. J'étais le prince de ce château avant ton arrivée. Je me suis fait ensorceler par une vieille sorcière avec une verrue poilue sur le nez. Depuis, je suis un fantôme et seule une belle mélodie de flûte pourra me rendre mon apparence. Peux-tu m'aider? Mais sache que lorsque le sort sera levé, j'apparaîtrai ailleurs qu'ici, dans la forêt. Sur la plage, à bord d'un voilier. Ou dans tout autre endroit. Et toi, tu seras endormi. Le prince réapparaît dans la forêt. Il veut faire de la musique pour réveiller sa princesse. Mais abandonner le piano.
J'ai abandonné le piano. Donnez le piano, donnez le piano. J'ai abandonné le piano. Donnez le piano, donnez le piano. J'ai abandonné le piano. Donnez le piano, donnez le piano. J'ai abandonné le piano. Donnez le piano, donnez le piano. Il n'est pas courageux, il a peur de tout, et en plus, il est jaloux de son cheval. Et quel cheval ! Il a des ailes, il est blanc, c'est un Pégase. Il a des poils doux comme de la soie, des sabots en or, des yeux en saphir, c'est pour ça qu'il s'appelle Saphir. Sa crinière est majestueuse, et il fait du crottin en diamant, et oui. De plus, Saphir est ceinture noire de karaté. Le prince est en même temps ébloui et dégoûté car il se sent moche. J'ai pas de poils dans le dos, poils au piano, pas de poils au menton, poils au violon, pas de poils sur les bras, poils au maracas, j'ai des poils nulle part. J'ai pas de poils devant, poils à la flûte de pan, pas de poils au derrière, poils à la flûte traversière. J'ai pas de poils en bas, poils au tuba. J'ai pas de poils en haut, poils au bifron. J'ai pas de poils aux gambettes, poils aux castagnettes. Pas de poils au nombril, poils au glockenspiel. J'ai pas de poils au cou, poils au guignol. J'ai pas de poils au front, j'ai pas de poils au perronné, pas de poils au métacarpe, j'ai pas de poils non plus, ici ni ailleurs, je suis moins poilu qu'un synthétiseur, mais un jour j'en aurai, j'en aurai des tonnes, des grands poils partout qui couvriront tout, et des poils plus gros qui me tiendront chaud. Plus besoin d'habits, poil au bouzouki, plus besoin de vêtements, poil aux instruments, poil au tchilombe, poil au saxophone. Unique, voilà la musique. Quand il a peur, il crie et il pleure. Il n'a pas confiance en lui. Il a peur des animaux, sauf de sa copine la chèvre. Et oui, il faut dire qu'elle est incroyable, Géraldine. Elle est de couleur rose avec des points bleus. Elle a été abandonnée et ils sont devenus les deux meilleurs copains d'enfance. Alan se met à pleurer devant Géraldine. Il pleure tellement, tellement qu'une rivière se forme. Géraldine se précipite et lui dit « Mon chéri, t'inquiète pas, je vais te remettre en ordre. Mon chéri, tu es sublime. Tu es vraiment magnifique. » Et elle l'a remis en ordre. Géraldine est comme ça, car quand elle était petite, elle a fait plouf dans un chaudron magique. Le prince la regarde et se dit « J'aimerais avoir une princesse comme Géraldine. » Plus fort et plus courageux grâce à Géraldine. Il part à la recherche de sa princesse. Il traverse la forêt.
Alan arrive sur sa fille devant un château. Mais attention, la porte est gardée par un dragon rouge et lanceur de flammes. Alan se demande comment entrer dans ce château. Il faut tuer le dragon. Sa fille a une idée. Il va courir autour du château pour que le dragon le suive et s'épuise. Une fois fatigué, le prince peut lancer son épée dans le cœur du dragon qui tombe par terre. Il est mort. Alan défonce la porte qui était fermée à clé et entre dans le château. Il fouille toutes les pièces, monte les escaliers et trouve enfin la princesse dans sa chambre. Elle dort. Alan lui donne un baiser sur la bouche. Mais la princesse ne se réveille pas. Il recommence à l'embrasser plusieurs fois. Mais elle ne se réveille toujours pas. Ça ne doit pas être la bonne princesse pour lui. Il descend les escaliers, sort du château, remonte sur sa fille. Like a ball on some cobble, ball on some cobble, ball on some cobble, and a long, 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 long way from home. Je suis un homme occupé, j'ai pas le temps de rigoler. J'ai du lundi et du dimanche, de la princesse sur la planche. I'm ball on some cobble, ball on some cobble, ball on some cobble. Dans sa chambre, Isabella se réveille. Elle regarde par la fenêtre et voit son prince s'en aller. Au loin, elle décide de le rattraper. Elle descend aux écuries et monte sur un cheval et galope. Elle commence à chanter. Un jour mon prince viendra. Alan entend sa voix et se retourne. La voix, il arrête son cheval et attend sa princesse. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre et s'embrassent. Fin de l'histoire.